Bonjour à tous les membres de l'Église protestante évangélique de Rochefort et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ce matin. Nous sommes le dimanche 5 avril et c'est le quatrième dimanche que nous ne pouvons pas se rassembler ici pour louer le Seigneur, adorer le Seigneur, célébrer notre culte comme d'habitude à cause du confinement, que nous comprenons parfaitement. Je voudrais saluer votre courage, votre résilience, votre foi. Souvent, quand j'appelle les membres de l'Église pour faire un coucou, prendre des nouvelles, avec l'espérance que je vais apporter un encouragement, c'est la personne de l'autre bout du fil qui finalement m'encourage. Et c'est très bien. Nous vivons une crise sanitaire inédite, en tout cas inédite pour nous. Les générations qui nous ont précédés ont vécu d'autres crises, des fois les crises bien plus dévastatrices. Ce qui est bizarre avec une crise, c'est que les crises ont tendance à faire sortir le meilleur chez certains, mais aussi des fois le pire chez d'autres. En tout cas, quand il s'agit de l'Église de Christ, c'est-à-dire vous et moi, les enfants de Dieu, nous qui sommes rachetés par le sang de Jésus, l'Église a toujours su se lever face à des différentes crises. Des fois, les crises ont duré plus longtemps, c'était dans différents fonds, peut-être fonds de persécution, ou de maladie, ou de guerre, ou crise économique. Des fois, ça a duré plus longtemps, peut-être c'était court, mais l'Église de Christ a toujours su se lever face à des crises. Pourquoi? Parce que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Et l'Église est un projet de Dieu, il n'est pas un projet d'homme. Et c'est pour cela que 2000 ans plus tard, suite à des multiples crises dans chaque siècle de l'histoire, l'Église est toujours là, elle sera là quand Jésus revient. Deux petites informations avant de regarder la parole de Dieu ensemble. Avec les anciens, nous avons eu une petite réunion via Zoom ensemble et nous avons discuté du fait qu'il est probable que le confinement soit prolongé et fort possible qu'après la sortie du confinement, il y a une sortie progressive et qu'il est bien possible qu'on ne sera pas en mesure de se réunir ici ensemble comme nous avons l'habitude de le faire. Peut-être pendant 2 mois encore, peut-être plus. On verra les annonces faites par le gouvernement et nous prions pour les autorités civiles, que le Seigneur les remplit de sagesse pour leurs tâches qu'ils ont. Mais c'est quelque chose à anticiper, c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir. Deuxième chose, il y a eu l'idée que nous envoyons des courts messages d'encouragement, d'édification au cours de la semaine, de quelques minutes, soit audio, soit vidéo, et cette semaine ça va commencer et c'est Anthony qui va nous envoyer des courts messages. Donc regardez votre boîte mail pour ces messages. Alors, j'entends des bruits qui viennent de la garderie. Je voudrais inviter tous les enfants à se procher parce que je crois qu'il y a Charlotte et Charlie qui sont là et qui ont des choses à vous dire. Donc, venez voir les enfants. À tout de suite. Coucou. Coucou les amis. Bonjour. Ah là là, ça me fait plaisir de vous voir. Oh là là, c'est long, hein? Le confinement. Oh oui, moi des fois je m'ennuie un petit peu. Je m'ennuie surtout de l'école du dimanche, parce que j'aime bien être avec vous. C'est tellement bien de partager nos histoires. Est-ce que ça va? Oh ben je suis heureuse. Mais c'est bizarre, j'avais dit à Charlie de venir à 11h15. Et puis, je m'aperçois qu'il n'est pas encore là. Oh, il est toujours en retard, ce frère. Bon, ben, je vais l'appeler.
Charlie. Oui, j'arrive. Coucou. Bonjour les amis. Bonjour Charlie. Bonjour Charlotte. Mais dis donc, pourquoi tu as un masque? Ben oui, parce que tu sais, on sait jamais. Mais non, on n'est que tous les deux, puis on se voit toute la journée. Ouais, mais on sait jamais, t'as peut-être le coronavirus. Mais non, parce qu'on est à l'intérieur. On vit tous ensemble à l'intérieur avec papa, maman. Ouais, mais c'était pour faire voir à mes amis que j'avais aussi un masque. Ben oui, puis le masque, c'est pour papa, maman quand ils vont faire des courses. Ouais, alors enlève-le. D'accord. Tu peux m'aider? Ouais, j'arrive. Ah, voilà. Merci, Charlotte. De rien, Charlie. Oh, mais qu'est-ce que je suis contente, et toi? Oh, ben ouais, ça me fait plaisir, hein, de voir mes amis ce matin. Mais j'aimerais bien que l'école du dimanche reprenne, mais t'inquiète pas, après le confinement, mais c'est quand? Oh, ben ça, c'est selon le président de la République. Oh, ben j'espère que ça sera pas long. Ouais, tu t'ennuies, toi? Non, pas du tout, parce que je fais mes devoirs, et toi? Un petit peu. Oh, mais il faut faire les devoirs, attention, parce qu'après, tu auras des mauvaises notes. Ah ouais? Mais dis donc, moi je fais la vaisselle, je fais aussi le ménage, j'aide beaucoup maman. C'est bien, mais il faut aussi apprendre, parce que plus tard, tu auras besoin des bonnes notes pour être avoir un beau métier. Ouais, je sais. Bon, moi j'aimerais bien être peintre, hein. C'est tout. Oh, ben, c'est bien que tu fasses le ménage, mais aussi apprends tes leçons. Oui, sœur. Dis donc, oui, peut-être que les amis, eh bien, ils voudront peut-être savoir quelques renseignements sur le coronavirus. Oui, mais ils savent avec leur papa et leur maman, parce que tu sais, il faut aussi, bien sûr, prier pour leur papy, leur mamie, parce que ça peut être grave pour eux, parce qu'ils sont plus âgés. Ah oui, c'est ça, c'est les médecins qui l'ont dit. Oui, alors il faut prier pour eux. D'accord, prier aussi pour leur papa, leur maman, leurs amis, et puis pour nous aussi. Oui, c'est vrai, il faut prier beaucoup, hein, et puis lire la parole de Dieu. Voilà. Et puis aussi, comme on a du temps, eh bien, on pourrait passer plus de moments à lire la parole de Dieu ensemble. Oui, mais pas trop longtemps, hein. Pourquoi? Parce que des fois, c'est long. Ah non, il faut lire la parole de Dieu. C'est très important. Oui, d'accord, je vais le faire maintenant. Oui, c'est bien, Charlie. Ah, dis donc, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à nos amis? Eh bien, qu'on les aime. Nous vous aimons. Oui, moi aussi. Et puis encore, on pense à eux. Oui, on pourrait peut-être leur chanter une chanson. Mais quoi? Attends. Celle qu'on a appris hier soir. Oui, d'accord. 1, 2, 3. Nous vous aimons fort. C'est ça. Bon, alors, à bientôt les amis. Soyez sages, hein? Oui, et puis aussi, faites très attention quand vous allez dans la rue. D'accord. Allez, je vous aime, nous vous aimons. À très bientôt. Au revoir. Ah, Charlotte et Charlie, ils sont marrants, hein? Ce matin, j'ai préparé un message sur un psaume que j'ai sous le cœur, sur lequel je voudrais même en faire une série pour les semaines à venir. Mais avant d'aller plus loin, prions ensemble.
Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour ton amour qui est constant. Je prie que à travers cette vidéo, chaque personne en train de regarder cette vidéo, que tu leur parles, que tu te révèles, que tu révèles quelque chose de supplémentaire, de plus de qui tu es et ton plan pour chacun de nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, j'oserais commencer avec un quiz, avec trois questions. Première question pour vous, concernant le livre des psaumes. Combien de psaumes y a-t-il dans le livre des psaumes? Est-ce que la réponse est A, 140 psaumes, B, 150 psaumes, ou C, 160 psaumes? Alors, votre réponse. Si vous avez dit B, 150 psaumes, vous avez raison. Deuxième question. Quel est le psaume dans le livre des psaumes le plus long? Et est-ce que c'est psaume 89, A, psaume 89, B, psaume 118 ou C, psaume 119? Alors, votre réponse. Si vous avez dit C, psaume 119, vous avez raison. C'est le psaume le plus long avec 176 versets. Troisième question. Combien de psaumes David a-t-il écrit? Approximativement. Est-ce que David a écrit un tiers des psaumes, A, ou B, la moitié des psaumes, ou C, trois quarts des psaumes? Alors, votre réponse. Si vous avez dit C, le trois quarts des réponses, vous avez faux. La bonne réponse, c'est B. Il a écrit la moitié des psaumes. Pour être précis, il a écrit 73 psaumes. Donc, presque les moitiés. Alors, notre question. Qui donc a écrit les psaumes restants? Si David a écrit 73 des psaumes. Les amis, 50 des psaumes n'a pas d'auteur confirmé. Ensuite, on a Asaph et ses fils qui ont écrit 12 psaumes. Asaph était chef des chanteurs et avec ses fils, conducteur de louanges. Vous pouvez en lire en Chronique, chapitre 25. David les nomme pour conduire le louange. Il les encourage même à prophétiser en chantant. C'est incroyable. Ensuite, il y a la famille de Corée, ou plutôt ses fils, qui ont écrit 11 psaumes. Corée n'a pas écrit de psaumes. C'est lui qui a rébellé contre l'autorité de Moïse et Aaron, conduit par un esprit de jalousie. Il voulait la place de Moïse et Aaron dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire. Et on lit en Nombre, chapitre 16, que Dieu a ouvert la terre sous le pied. Ils étaient engloutis, ils sont tombés dans le trou de la terre que Dieu a fait. Mais Dieu a préservé les fils de Corée, parce que les fils de Corée avaient une disposition de cœur qui était différente de leur père. Et ces fils-là, c'était une famille lévitique, ces fils ont écrit 11 des psaumes. Et il y a des références à ses fils dans l'Ancien Testament et les responsabilités qui leur étaient accordées dans le service de Dieu. Alors, avec 73 psaumes de David, 50 psaumes avec un auteur inconnu, 12 d'Asaph et ses fils, 11 des fils de Corée, ça nous amène à 145 psaumes. Alors, qui a écrit les 5 psaumes restants? Solomon en a écrit 2. Après, il y avait 2 hommes juifs très sages, des légendes reconnues pour leur sagesse qui ont vécu avant la période de Solomon. C'était Héman et Éthan qui a chacun écrit un psaume, le psaume 88 et le psaume 89. Ça nous amène à 149 psaumes.
Alors, les amis, qui a écrit le psaume restant sur les 150? Est-ce que vous savez? La réponse, c'est Moïse. Moïse a écrit un psaume. C'est le psaume numéro 90. Et les amis, quel psaume? Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à lire avec nous ou juste écouter avec nous. Et je vais demander à Nadine de lire le psaume 90 pour nous. Bonjour à tous. Je vais vous lire le psaume de Moïse. Donc c'est le psaume 90. Apprends-nous à bien compter nos jours. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis aux humains, retournez-y, car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier, qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu balais les humains comme un peu de sommeil qui s'efface à l'aurore. Ils sont pareils à l'herbe qui fleurit le matin, qui passe et qui le soir se fane et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce qui est caché. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nos années s'effacent comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux 80 ans pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui peut connaître l'intensité de ta colère? Qui te respecte assez pour tenir compte de ton courroux? Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel. Jusque à quand tarderas-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie, pleins d'allégresse, tout au long de nos jours. Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves et en années de joie nos années de malheur. Que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs et que leurs descendants découvrent ta grandeur. Que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, repose sur nous tous. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Merci Nadine. Nous voyons à travers ce psaume 90 la profondeur de la révélation de Moïse, de Dieu. La compréhension que Moïse avait de qui est Dieu. C'est aussi un psaume de contraste. D'un côté, Moïse qui nous montre la grandeur et la puissance de Dieu, et de l'autre côté, la faiblesse et la petitesse de l'homme. Également, le fait que Dieu est éternel et que l'homme a une vie très courte ici sur terre. Le consensus des théologiens et commentateurs est que Moïse a écrit ce psaume 90 pendant la troisième partie de sa vie. Si on coupe la vie de Moïse en trois parties, première partie de 40 ans, il était élevé en tant qu'un prince dans la cour royale de Pharaon. Il a eu une éducation scientifique. Il était sans doute formé, il a une formation dans la gestion. La deuxième partie de sa vie, il était berger pour son beau-père Jéthro. Et là, il était en école d'humilité. Il a eu cette formation de berger, une préparation pour être le berger, le peuple de Dieu. Et après, il y a eu ce moment singulier quand Dieu se révèle à lui à travers le buisson ardent et l'appelle à être
le chef d'Israël, le berger des peuples d'Israël, et pour conduire Israël dans leur libération de leur état d'esclavage d'Égypte et de plus tard prendre leur héritage dans la terre promise. Et c'est pendant cette troisième partie de la vie de Moïse, également de 40 ans, en tant que le chef d'Israël, qu'il a certainement écrit ce psaume. C'est un psaume qui est à la fois très spirituel et en même temps très humain. C'est un psaume qui est très intellectuel et en même temps Moïse qui écrit du fond de son cœur. C'est un psaume de sagesse, mais c'est aussi un psaume de louange et adoration. Sagesse parce qu'à travers ce psaume, Moïse nous aide à comprendre qui est Dieu et les qualités de Dieu. Mais aussi un psaume de louange et adoration parce que c'est un chant que Moïse chante à Dieu. Entre parenthèses, ce n'est pas la première fois que Moïse chante à Dieu. On se rappelle le moment en Exode chapitre 15, quand Israël traverse la mer Rouge, Dieu qui ouvre un chemin par la mer Rouge, Israël qui traverse la mer Rouge, et Pharaon qui avait changé d'avis, qui voulait reprendre les Israélites, les remettre en état de captivité, en esclavage, qu'il avait envoyé son armée avec ses chariots et qui les poursuivait. Et quand les chariots ont essayé de traverser la mer Rouge, au moment où ils étaient au milieu, Dieu permet que la mer Rouge se referme sur eux. Et de l'autre côté, Moïse va conduire Israël dans un chant. Et on a les paroles de ce chant. C'est en Exode chapitre 15, à partir de verset 1. « Alors, avec les Israélites, Moïse chante pour le Seigneur. Voici ce chant. Je veux chanter pour le Seigneur. Il a remporté une grande victoire. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. » Alléluia. Peut-être, les amis, c'est une des premières leçons qu'on a de la vie de Moïse à travers ce psaume 90. C'est un homme qui avait les grandes capacités intellectuelles et en même temps, il était un adorateur de Dieu. Je voudrais vous proposer qu'il y ait un lien fort entre les deux. C'est-à-dire, Dieu nous donne notre intelligence, notre capacité à raisonner, à comprendre les choses, à recevoir les révélations de Dieu. Et quand on arrive à la conclusion que Dieu existe, qu'il nous aime, que son Fils Jésus est l'image de Dieu, est Dieu, et a pris notre place sur la croix à Golgotha il y a 2000 ans, quand on place notre foi en Jésus, ça nous amène à l'humilité. Parce que ça nous amène à plier le genou devant Dieu et vouloir l'adorer pour qui il est. Et donc il y a un lien entre les processus intellectuels de notre esprit et notre adoration à Dieu. L'adoration ne se résume pas par quelques chants le dimanche matin. Ça en fait partie et j'aime bien, ça me manque de ne pas pouvoir chanter avec vous, se perdre dans la présence de Dieu le dimanche matin ensemble. C'est des moments glorieux. Mais l'adoration est beaucoup plus. C'est toute une vie consacrée à Dieu. Chaque chose que nous faisons, même notre travail, notre ménage, tout ce que dans notre relation de couple, dans notre relation avec nos enfants, dans nos relations avec nos amis, nos collègues, nos voisins, c'est tout ce qu'on fait pour la gloire de Dieu est comme une odeur agréable qui monte à Dieu. Finalement, je voudrais terminer ce message, clôturer ce message avec un verset de psaume 90, verset 14, où Moïse dit « Rassasie-nous tous les matins de ton amour. » Vous savez, les Israélites, pendant leur temps dans le désert, entre le moment de leur sortie d'Égypte et le moment où ils ont rentré dans la terre promise, tous les matins, ils ont pris la manne, nourriture céleste, nourriture de Dieu que Dieu leur a donnée.
où ils ont, sauf le sabbat, ou le jour avant, ils devaient rassembler une double portion. Mais sinon, tous les jours, ils ont pris la manne qui était sur la terre et qu'ils ont mangé. Et là, Moïse dit, rassasie-nous tous les matins de ton amour. Alléluia, prions. Père, que nous puissions être rassasiés par ton amour. Oui, c'est super de comprendre les choses scientifiques avec notre intelligence, mais de comprendre avec notre intelligence que tu es Dieu et que tu nous aimes. Et ça nous touche profondément dans nos cœurs. Et ça nous amène à te chanter, à te louer, t'adorer, à vivre pour toi. Nous voulons être rassasiés tous les jours par ton amour. Rassasie chaque personne qui regarde cette vidéo par ton amour ce matin dans ton nom. Amen. Les amis, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand ce sera là bientôt. On dit à bientôt et on ne sait pas quand ce sera. Mais à bientôt et le Seigneur vous bénisse. Au revoir.